Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon Mark Zuckerberg en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Mark Zuckerberg et enfin les 10 règles d'or de Mark Zuckerberg. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des audios, des écrits et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu connais Mark Zuckerberg ou que tu t'intéresses à savoir qui est Mark Zuckerberg. De façon très résumée, j'ai essayé de prendre quelques phrases que je t'ai mis d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Mark Zuckerberg a commencé à utiliser des ordinateurs et des logiciels d'écriture lorsqu'il était au collège. Il a lancé Facebook depuis son dortoir à Harvard et une fois à l'université, son Facebook a commencé comme une simple affaire de Harvard, donc de connecter les élèves d'Harvard les uns avec les autres. Et s'est propagé, diffusé à travers les différentes autres écoles. Il a ouvert la société en mai 2012 avec des actions majoritaires. Et en 2007, à l'âge de 23 ans, Mark Zuckerberg est devenu le plus jeune milliardaire autonome du monde. En 2018, il est la seule personne de moins de 50 ans à figurer sur la liste des 10 personnes les plus riches selon Forbes, donc qui est un magazine américain. Et puis maintenant, on peut dire aussi site internet qui référence les personnes qui ont fait fortune à travers leur vie professionnelle et vie personnelle. Depuis 2010, le magazine Time le classe parmi les 100 personnalités les plus riches et les plus influentes du monde dans le cadre du prix de la personnalité de l'année. Il est le président et chef de la direction Facebook, on peut imaginer qu'il n'a pas lâché son bébé. Et anodin, et peut-être quelque chose qui est anecdotique pour toi, il reçoit un salaire d'$1 en tant que PDG de Facebook, puisqu'il n'a pas besoin de l'argent de son entreprise pour vivre. Et la valeur nette de sa fortune est estimée à 55 milliards de dollars. Alors comment Mark Zuckerberg vit-il ces choses-là? Quelles sont les règles d'or qu'il partage dans l'ensemble de ses interviews qu'il donne? Eh bien, je les ai recensées, j'en ai recensé 10 et on va maintenant les voir. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or pour Mark Zuckerberg qu'il explique, c'est de créer le changement. Très souvent, on s'habitue dans nos vies à vivre dans un quotidien, une routine qui est toujours similaire. Et en fait, on ne va pas changer les choses. On va accepter de se lever le matin, d'organiser les activités qu'on fait chaque matin d'une façon pareille, similaire, d'un jour à l'autre. Et on va éviter le changement parce que dès qu'on va changer ou modifier un paramètre, ça va devenir inconfortable à notre avantage ou à notre inconvénient par le fait que ça a modifié et ça va nous faire réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Et créer au contraire un changement va permettre de se dynamiser, de remettre en question les choses que l'on fait. Et une des questions qu'on a vues dans d'autres vidéos que Les Blondes amène à poser, c'est chaque jour réussir à se poser la question: qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui ne me convient plus dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux finalement changer pour rentrer dans une dynamique de positivisme et en tout cas de plus de plaisir que je n'ai aujourd'hui? Alors on parle, il y a des personnes qui disent que aujourd'hui le confort est quelque chose qui est une notion qui est issue d'il y a seulement 200 ans, puisqu'avant on ne posait pas la question du confort, de se dire est-ce que je suis confortable dans ma vie? Est-ce que la vie que j'ai est-elle acceptable ou non? Mais aujourd'hui, c'est partie d'une des choses avec lesquelles on vit et c'est normal de se poser cette question-là. Deuxième règle d'or, eh bien, c'est prendre soin de soi encore plus, davantage que ce que tu fais aujourd'hui. On revient encore dans cette notion de confort. C'est pour Mark Zuckerberg, ce qui est vraiment important, c'est de chercher toujours à prendre plus soin de nous. Malgré le fait qu'on a des rythmes de vie qui sont complètement maintenant anormaux par rapport à une vie comme on pouvait la connaître il y a 150 ans où on avait très peu d'électricité, donc on devait se coucher quand la nuit tombait et qu'on n'avait pas d'autre activité à la bougie qu'on pouvait faire que de lire éventuellement. Il n'y avait pas de télévision, pas encore forcément beaucoup de radio. Et donc, on vivait une certaine forme de prendre soin de nous en se posant des questions sur notre avenir, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons faire et en découvrant des choses et en ayant plus le temps de réfléchir. Mais pour autant, prendre soin de soi, ce n'est pas forcément
respecter un cahier des charges, une Bible. D'ailleurs, il n'y a aucune Bible qui peut dire comment tu prends soin de toi mieux que toi qui pourrait le définir, puisque seulement tu peux ressentir tes propres besoins sur ce que tu veux mener et faire dans ta vie. Et donc, prendre soin de soi est quelque chose d'important pour Mark Zuckerberg. Troisième règle d'or de Mark Zuckerberg, c'est de commencer petit. Très souvent, les personnes qui vont constater le niveau de quelqu'un vont en fait ne pas considérer les années de pratique que la personne a. Par exemple, souvent, il y a des personnes qui disent, voilà, tel joueur de foot a marqué tant de quantités de buts. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il a commencé à un moment donné à marquer un but et qu'il a persévéré. Il a continué à agir, à chercher à s'améliorer et à continuer à performer dans ce qu'il faisait jusqu'à atteindre ce record que l'on constate aujourd'hui. Mais imaginez qu'avant qu'il commence à marquer le moindre but, on ne le connaissait pas et on aurait pu tous dire que ça ne fonctionnait pas. Donc il a commencé petit, ce joueur, et c'est la même chose pour notre vie. On commence petit. Par exemple, quand on lance une chaîne YouTube, on commence avec une vidéo qui n'est pas la meilleure que la dernière vidéo qu'on a sortie 3 ans plus tard parce qu'on s'est amélioré, parce qu'on a progressé, parce qu'on a enregistré et commis des erreurs sur un certain nombre de vidéos qui fait que naturellement, eh bien, on passe à un niveau supérieur. Quatrième règle d'or, c'est d'être transparent. Être transparent, c'est s'autoriser de ne pas savoir les choses, d'être aussi quelqu'un qui va être capable de pouvoir dire qu'il ne sait pas faire des choses, qu'il ne sait pas les choses ou qu'il a besoin de réflexion. Et être transparent, c'est aussi garder une authenticité et ne pas vouloir paraître quelqu'un ou quelque chose ou savoir quelque chose que l'on ne sait pas finalement et qui va au contraire eh bien, agacer les personnes avec qui nous allons échanger. Cinquième règle d'or, c'est faites le bien autour de vous. Comment peux-tu faire le bien autour de toi? Et aussi cette question qu'on voit dans différentes vidéos YouTube des personnes qu'on étudie, qui est cette question de se dire quelle est la valeur que j'ai au fond de moi que je peux apporter dans les environnements que je fréquente? Et les environnements lesquels on fréquente et qui n'ont pas la valeur que l'on possède, parce que la valeur que l'on possède, elle est authentique. C'est un diamant d'une spécificité qui est la nôtre. On est ce propre diamant. Chacune des personnes que nous sommes a eh bien, ce diamant précieux. Et donc, comment je peux apporter dans l'environnement dans lequel je suis, même quitte à paraître peut-être quelqu'un qui est complètement, on va dire, innovant dans la pratique ou dans la façon de se comporter ou dans l'attitude que l'on peut avoir. Par exemple, avec les réseaux sociaux, il y a des personnes qui aujourd'hui sont beaucoup plus connues que leur entreprise dans laquelle elles travaillent parce qu'elles ont travaillé énormément sur cette communication, sur ce personal branding et qui font qu'elles deviennent des personnalités publiques éventuellement alors qu'elles n'ont des postes dans leur entreprise en tant que salariés beaucoup plus inférieurs à ceux qu'elles sont. Et tout ça, c'est pas négatif, c'est juste que eh bien, les personnes ont voulu apporter et faire du bien autour d'eux et ont choisi une perspective. Sixième règle d'or, c'est construire une bonne équipe. Que vous soyez dans votre vie personnelle en couple ou que vous cherchiez à améliorer votre équipe dans laquelle vous faites partie ou dans laquelle vous êtes manager, chercher à construire une bonne équipe, ce n'est pas virer des gens ou tout simplement ne plus travailler avec les personnes qui sont avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est de faire évoluer les personnes avec qui vous travaillez. De faire évoluer votre couple avec des conversations de grande qualité, des conversations nouvelles, avec une diversification de moments, malgré la routine qui est toujours et présent dans les vies que nous rencontrons tous les jours. Donc, construire une bonne équipe, c'est cette volonté de ne pas vouloir renouveler tout le monde, mais c'est de faire ce qu'on peut avec ce que l'on a et où on se trouve. Septième règle d'or, c'est réussir les études. Réussir les études, ça veut dire que, quel que soit votre âge, de chercher à étudier les choses de façon formelle avec un diplôme, une école, soit de façon informelle avec votre propre volonté d'étudier. Comme par exemple regarder une vidéo sur YouTube, pour regarder une formation d'un influenceur qui vous intéresse et sur lequel vous avez envie eh bien, d'apprendre une spécificité. Réussir l'étude, c'est non seulement étudier les choses, mais c'est aussi apprendre à valoriser eh bien, les compétences et les connaissances que l'on apprend. Huitième règle d'or, c'est relever de grands défis. Quel que soit notre niveau de vie actuel ou quelles que soient les choses que nous réalisons aujourd'hui, nous pouvons nous fixer des grands défis, des choses qui nous dépassent, des choses qui nous paraissent pas à notre portée aujourd'hui, mais en devenant la personne que nous souhaitons devenir, parce que ce défi, il nous tient à cœur, et bien devenir cette personne que nous voudrions être pour pouvoir relever le défi, ou en tout cas devenir la personne qui doit être et qui doit exister pour pouvoir relever le défi, qui doit être à la hauteur de ce défi. Ça peut être des compétences, ça peut être une attitude, ça peut être la construction d'une équipe nouvelle. Bref, de relever de grands défis va te permettre de t'élever et de devenir une personne que tu n'es pas encore aujourd'hui, parce que sinon, ce défi ne serait pas un grand défi. Neuvième règle d'or, c'est soyez fier de ce que vous faites. Rien n'est plus beau que de se coucher le soir en se disant j'ai apporté de la valeur et je ne sais pas par où commencer sur toutes les sommes de valeur que j'ai apportées aujourd'hui.
Il n'y a rien de plus beau que savoir qu'on a rendu le monde meilleur après notre passage, que nous l'avions trouvé avant d'arriver là où nous trouvions directement. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est de s'amuser. Règle qui est très souvent rappelée, martelée à travers ces vidéos, mais qui fait partie intégrante de la vie des entrepreneurs et des personnes que nous étudions, qui est de s'amuser au cours et bien notre vie, notre passage sur Terre, parce qu'on n'a qu'une vie, le temps passe très vite et c'est vraiment très agréable de pouvoir en profiter. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on se laisse, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle est la règle d'or que tu retiens de cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant, gratuitement, les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.